peut-être pour les gens qui sont plus âgés, je regrette de mettre, j'espère que le public des athlètes va pas me placer dans les catégories de tous les athlètes actifs également, ils ne vont pas registrer la parole, mais depuis mon quartier, enfin depuis les lumières, j'ai construit une société dans laquelle la liberté de tous les corps, la liberté individuelle, est devenue l'action principale sur laquelle se construit une société, c'est-à-dire la démocratie, simplement. Et puis le fait dans tout ce que je viens d'entendre, c'est qu'en fait, je ne vois pas très bien comment. Je pense, je fais partie de ceux qui pensent que l'humanité a fait un progrès extrêmement important en consacrant par le droit ces valeurs, cette valeur de la liberté, garantie par le droit par la liberté d'expression. Ça a été, je pense, peut-être pas suffisamment, parce que le temps qui était arrêté à ses côtés par le tableau de lequel participait le tableau de Montreux. Et le droit qui s'est construit ces 40 dernières années est venu donner une prééminence absolue à la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de l'individu, de la personne, la possibilité de dire et d'exprimer un point de vue contre la doxa, contre les puissances, contre les pouvoirs, quelle qu'ils soient, et ouvrir les recours, certes juridiques, c'est pas une loi, même si l'application du droit a toujours probablement un outil dans les états, mais le droit, c'est cette garantie. Je vous inquiète, tout le monde doit vous écrire. Et celui de demain, dans lequel il faut qu'on prenne votre place, dans cette compétition à la conquête du numérique, finalement. Mais où est l'humanisme? Où est le droit individuel? Où est le droit à la personne? Quels sont les recours dans nos bénéficions? Je me dites, M. Roy, me terrifie sur la situation de la Chine. Quand je lis le grand bâtiment de Philippe de Sertine, si vous savez que finalement le prochain leader est capable gérer sa monnaie et d'imposer sa monnaie en France face à la Chine. Si la Chine, peut-être, ce que vous le dites, elle est, je ne peux pas revenir en arrière, personnellement, et je préfère la société qui a été construite à partir de cette personne. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la cour en fait, de Bacon. Voilà, c'est une observation que je voulais faire, et j'aimerais bien avoir vos commentaires sur ce sujet. J'aimerais que Bernard puisse se dire, il y a encore un mot, puisse se dire quoi. Il y a quelque chose sur ce sujet. Enfin, nous sommes des juristes, nous aimons le droit, et nous aimons le droit parce que nous aimons la liberté. Et nous sommes les premiers garants de la liberté individuelle, notamment après l'histoire publique, mais quand même, pour être là pour vivre. Alors, donc là, je vais vous faire le truc en télévision, d'accord, que j'ai fait pour construire le sujet, si vous voulez voir, c'est génial, on pourrait être un sketch, j'étais tout préparé. Je crois, donc, évidemment, hein, soyons très clairs, dès le départ, je suis totalement d'accord avec vous, Michel, sur ces importants conquêtes, ces éléments que j'estime fondamentaux, qui font partie de ma culture propre, que j'espère que les enfants, que tous les enfants, les arrières, que les enfants, les arrières, tous 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 les néanmoins, comme je disais tant après, ce que je crois aussi, c'est que nous sommes dans un changement d'époque qui est un changement qui n'a jamais été connu. Non pas même pas par nos grands-parents, mais même tout court, puisque ce qui est en train de se passer, et là je vois, il ne s'est pas dans les choses, ça il s'est arrivé. C'est que la première puissance du monde est liée au Occident. La première puissance du monde est l'Asie. Maintenant, le premier pic du monde, c'est l'Asie. Et c'est pas pic. La prochaine, probablement plus grande puissance du monde, je disais tout à l'heure dans mon vestigieux, dans les lettres comme ça, il y a des pages, hein, il y a des lettres, je crois, une dizaine de lettres, hein, je ne sais plus ce qu'on s'en fait, mais sur la démographie, en disant, c'est-à-dire sur la baisse de la population, c'est la première vidéo qui va être cette espèce de long passage à la démographie. Donc là, en l'occurrence, on discute sur le perte de population, ce n'est pas le problème à nous, mais la démographie est souvent. Si on regarde qui va être la prochaine puissance mondiale, après la Chine, ce sera l'Inde.
Et d'ailleurs, on sent bien que les Chinois ont véritablement un vrai problème peur de l'État avec l'Inde, en disant l'Inde occidentale, très très en phase avec tout ce qu'on a évoqué sur la technologie, peut-être plus que la Chine, avec le très très atomisé, justement, comme on cherche un peu, mais c'est une puissance asiatique. C'est-à-dire que nous parlons bien, là, d'un changement d'époque. L'Occident, qui fait depuis 600 ans, domine le monde. L'Occident a pris la domination du monde à partir de l'Occident, on va dire. C'est-à-dire qu'on a commencé à imposer la logique occidentale, et je veux dire, on va dire, donc la logique n'est pas répartie, mais sur tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la morale, sur les problèmes de sécurité, etc. Lorsque l'Occident, maintenant, arrive à être une puissance secondaire par rapport à la puissance asiatique, ça veut dire aussi que ce qui nous a structuré, la philosophie occidentale va connaître la même évolution. Et vous le voyez très bien, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, la finance, on voit très très bien les changements. L'autre endroit où on le voit bien, c'est dans le droit. Le droit du monde aujourd'hui a été fait sur le vote de l'Occident. Je suis content, je suis occidental comme vous. Sauf qu'effectivement, ça n'est pas la politique asiatique. Nous avons eu il y a quelques semestres maintenant, une intervention très intéressante aux Nations Unies, là aussi bien ça, on est d'accord, hein, de Xi Jinping et des officiels chinois sur leur connexion des droits de l'homme. Donc c'est très très intéressant, et voilà, et le fait qu'il est très clairement occidental, excusez-nous, nous on pense qu'on peut être relecteur. Et les collègues américains nous ont parlé quand je suis disais ce qu'a marqué la porte, c'est un truc incroyable, etc. J'en parlais avec des collègues japonais, coréens. Oui, en fait, quand on a besoin de temps, mais quand même, il y a des choses aussi intéressantes, vous savez, du point de vue asiatique. Et là, vraiment, alors, c'est pour ça que je reviens à cette heure de passer sur l'autorité catholique et là, sur l'autorité d'aller en total, de pont entre les deux cultures. Nous sommes, nous, occidentaux, marqués par la culture grecque. C'est pour ça que, bien sûr, mon esprit est un petit peu passionnant parce que c'est encore le moment où en Europe, en France, on maîtrisait totalement la culture grecque. Vous savez que la Grèce, les États-Unis, Aristote, ce sont les éléments qui structurent notre société, qui structurent notre vie, c'est-à-dire notamment la question de l'individu, la question de la cité, la question de la liberté, la question de la propriété, tout ça, ce sont des éléments qui ensuite, la propriété, ils arrivent effectivement ensuite dans les philosophes latins. Vous les retrouvez dans toutes ces questions, notamment autour du christianisme, qui avait très très fort Montaigne, tout ça, qui maîtrisait parfaitement les anciens. D'ailleurs, je crois que c'est tellement important que nous, occidentaux, quand on va devenir puissants de l'Ouest, on continue à dire le grec, c'est capital, on continue à dire le grec et le latin. En finance, moi je fais étudier la finance à mes étudiants en disant que vous devez lire au moins une partie de la vie des hommes civils de Plutarque, latin, notamment la vie de Solon, le créateur de Grèce, de Athènes. C'est incroyable, vous avez toutes les crises économiques que l'on voit maintenant, les crises économiques qui a 2000 ans et qui sont toujours valables. Donc nous avons cette culture-là. La culture asiatique n'est pas la même, elle n'est pas fondée sur la même philosophie. Et là, pour le coup, vous savez, c'est ça qui a été mieux en Rwandaise, c'est qu'elle est différente. Et si j'essaie de, en tant qu'occidental, de représenter la culture de l'Asie, telle que je la vois, telle que vous l'habitez dans mon institut, dans les deux, telle que vous l'habitez dans les grands penseurs, notamment chinois ou asiatiques, c'est d'abord une culture du groupe. C'est pas une énorme différence. C'est la culture du groupe. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient en train de négocier avec la Chine sur la problématique de droits de propriété, des droits intellectuels au moment où vous avez ces grandes discussions à New York entre les Américains et les Chinois, les deux Européens qui ont juste en train de poser des questions sur ce rapport. Les États assis à table, on est toujours pas très en tête, effectivement. Et puis c'est plutôt marginalisé de ce point de vue. Et là, pour un écho, ce qui nous dit, ce que vous dites dans nos correspondants chinois, en disant, mais comment vous pouvez imaginer une découverte faite par quelqu'un qui serait utile à l'ensemble du groupe, qui serait sa propriété? Non, je ne peux pas l'envisager. C'est propriétaire à tout le monde, ça appartient au groupe. Et le capitaine, il a dit, non, si on a des droits d'abord, c'est à nous. Je ne dis pas que c'est. Non, c'est pas possible. Parce que là, c'est quelque chose, vous en avez donc, c'était immoral. C'était pas moral. Et là, on était bien dans deux moralités différentes.
la moralité du monde. Et on peut construire ça plus longtemps avec la Chine. Avant, c'est minoritaire qu'on déjà posé les côtés. Je vous souviens, les plus petits, les années 80. Exactement, la meilleure norme nouvelle, c'est les
Chapman, premier personnage de l'État français. Il y avait Charles Malik, qui était un grand juriste qui était très détruit sur ses principes de Saint-Thomas d'Aquin, et il s'agit de représenter le monde chrétien d'Orient, ce qui peut aujourd'hui effectivement être accusé. Quant à la Chine, il y avait un professeur chinois, toujours très bon d'ailleurs, mais qui avait fait toutes ses études aux États-Unis. Et il est représenté comme cette réponse à la notion d'universalité. Les Chinois ont signé avec les gouvernements de 1936 les pactes qui, eux, sont contraignants concernant la déclaration universelle de l'Orient, ils ne l'ont jamais ratifié. Pourquoi ils ne l'ont jamais ratifié? Parce qu'il y a des recours auprès du comité des personnes des Nations Unies sur lequel on pourrait parler lentement, etc. Donc, il n'y a pas de notion de droit de l'homme en Chine. Le Parti communiste chinois considère qu'il n'y a que le droit qui sert à l'intérêt collectif. Le premier droit étant que tout le monde puisse se convertir à l'électricité. La constitution de l'État qui a été en politique. Thank you.
Je crois qu'ils sont sans doute plus nombreux dans ce cas-là, et que
vraiment pas présenté. Donc, la grosse objectif, donc, nous avons la question des droits d'homme Thank you.
entre occidentaux, on était assez vite pour le trouver entre eux. De temps en temps, on a un peu de richesse pour être monde, en disant on a des barbares, on est démocratique, et quoi qu'il en soit, c'est nous qui sommes les plus. Demain, on ne va plus être dans cette situation-là. Comment on va gérer ça et comment on va devoir porter des messages qui ne sont pas forcément des messages accompagnés de la puissance économique et que la nôtre va pouvoir aider la puissance culturelle. On est tout là avec, hein. Oui, bien sûr, avec un grand sujet d'aujourd'hui, la première puissance économique, vous donnez à la puissance culturelle. Je pense que la question va se poser aussi, et là pour nous, occidentaux et nous, français, on doit s'interroger très vite là-dessus, parce que le 21e siècle vite se terminer. C'est la question de l'endroit où il y aura le plus de monde au 22e siècle. Donc, normalement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui va être la première puissance économique, ça va être l'Afrique. Après, on va en parler aujourd'hui, et il s'est passé il y a quelques jours, quelques heures, des événements à Conakry. Quand ils en parlent, ils sortent beaucoup de capital africain. Il doit vous interroger sur justement quel type de modèle, comment ça va se passer, la place de la Chine, c'est-à-dire entre parenthèses, l'État totalitaire en Afrique, l'Afrique dans la première sera la première démocratie du monde. C'est la question, moi, je suis discuté, je crois que vous avez expliqué que c'est un coup d'État qui a été aidé de l'autorité la pensée de la tradition qui pourrait partir au pouvoir. En quelque part, même si c'est un potentiel impôt qui est à la fin de l'hiver, c'est aussi une réaction, je dirais, quand tu dis que tu à l'embryon du démocratie linéaire, qui dit que ça va être respecté. C'est pas non, mais c'est important pour dire que pour ça que la question de la démocratie, elle est fondamentale en Afrique, et peut-être que le devenir de l'Afrique va vous intéresser d'autant plus qu'il faudrait mieux que l'Afrique bascule dans le modèle central que dans un modèle libéral, autoritaire, systématique. Ça sera la question de vos deux. Je répète, la lecture que nous avons et nous avons fait à tout court sur tout ça,
question des trois plus importants en Chine. C'est-à-dire que ces problèmes de Montesquieu départ un peu de l'air d'intérêt Chine. Parce que si je vous assure d'exporter vers la Chine, vous avez une pratique de la bande d'eau. C'est-à-dire que c'est un effort. C'est pas que le lien, c'est un effort. C'est une pratique. Donc on a ces questions. Alors vous voulez dire que l'Afrique, c'est bientôt 4 milliards d'habitants. Alors on peut peut-être ça. Voilà, on peut peut-être se tourner vers l'Afrique. Est-ce que vous allez bien se dire que vous savez qu'il y a une grande partie d'Africains qui peut être juste mangée correctement. C'est-à-dire qu'il peut juste être éduqué, juste avoir. Alors, on va dire avoir accès à 17%. Il y a des questions très belles, non, pas encore au niveau chinois. Non, non, c'est pas au niveau chinois. On a créé un peu de de population, c'est une structure de population qui s'appelle le vieux, en fait. C'est pas en train d'évoluer, c'est un vieux.
Japon, tout en bas, qui est un pays extrêmement connu. Voilà. Donc, je pense que c'est une raison par les femmes, parce que j'ai un petit peu de jeunes, et dont on parle moins, mais qui a aussi des capacités énormes. Je crois que la focalisation extrême, comme je dis, sert pour moi, sert pour plus que dire, c'est les dépens, donc les dépens en pouvoir. Et comme je disais, par vous disiez, pourquoi est-ce que bon, j'ai parlé de la défense des rapports, car la France des pays, la question se pose, elle est fragile. Voilà, donc je pense que la défense est juste de demander, parce qu'il n'y a pas plus d'obsession générale dans notre société, qui nous empêche de voir l'ensemble du débat. Quand on revient sur la question de la
il a commencé à nous parler des règlements climatiques, de nouveaux modèles économiques, ces questions pour l'Europe qui sont les questions de l'humanisme. Ça comprend pas les droits de l'homme. Non, mais Christian, vous voyez, vous ne critiquez pas comme si j'étais en train de défendre la vie, on ne parlait pas de ces droits de l'homme. Et je crois que ça me sent tout seul. On doit comprendre que les droits de l'homme, je répète, quand il s'agit de vendre des avions, on voulait. Pouvoir même simplement arriver à financer nos hôpitaux ou arriver à avoir de la recherche pour le vaccin, tout d'un coup, on dit, ah oui, oui, c'est important pour les ventes, mais on ne va pas rompre avec eux. Ça devient la première puissance mondiale. Et la question qui se pose sans cesse, je suis tellement d'accord avec vous, Pierre-Alain, je dis, en veillant à appuyer les mouvements de Taïwan, de résistance. Ils ont traduit des livres en chinois et à tout d'un coup, après, évidemment, les retours de bâtons extrêmement importants. Bien sûr que je suis d'accord avec vous, la Conard, on doit faire très très attention que je reçois. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on coupe tout, on ne peut pas couper tout. Ça veut dire que s'il y a un exemple contre tout débat, comme toujours dans la France asiatique, également, je veux faire attention, on ne parle pas du Parti communiste, enfin de l'Asie. Le mode de fonctionnement de la société asiatique est un mode de fonctionnement dans lequel, je vais faire le rapport aussi, mais peut-être au moins du fait de la femme, de l'individu, le rapport de force entre vous est important. Et toujours, c'est le capital qui joue le jeu de bon, qui joue le jeu de chien, c'est pas la même chose. C'est un jeu dans lequel vous engagez, vous entourez ou vous êtes vous confrontez. L'Asie, c'est ça, c'est le rapport de force. Nous avons pensé notre rapport à l'individu aujourd'hui, quand je me dis le rapport de force. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit dédouir et en réfléchir où nous sommes faibles, où nous devons nous repenser, où la vie est faible, où la vie est faible, où nous avons à évoluer. Aujourd'hui, nous sommes trop souvent toi, on a rejeté totalement, on ne peut pas parler, mais de façon d'après, il y a du business, alors de toute façon, il n'y a pas de choix de vous retenir. Et justement, moi, je trouvais une stratégie par rapport à ça. Et l'Europe, c'est stratégie, je ne la trouve pas. Et je crois que là, aujourd'hui, vous voyez, quand on a parlé tout à l'heure des attaques, là maintenant, quand on parle de la différence, c'est là que ça se passe, c'est qu'on devait parler en fait de géopolitique, ce serait la préparation du 20e siècle et la technique, sur laquelle on est en confrontation directe avec la Chine aujourd'hui, donc très clairement. Là, il y a des vraies réflexions, des choses très importantes à avoir, donc il y a zéro stratégie, ni européenne, ni française sur l'Afrique, mais il n'y en a pas non plus sur l'Asie. Et quand on évoque tout à l'heure la question russe, c'est une question absolument essentielle pour l'Europe. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est la frontière terrestre de l'Asie et de l'Europe. La Russie a la frontière terrestre de l'Asie et de l'Europe. C'est notre première question. La deuxième question est normale ce soir, c'est que c'est nos réserves de gaz de pétrole. Ça, c'est aussi important au moment où vous pouvez penser que vous avez beaucoup. Après, je dirais, en ce qui concerne les Européens, la vraie question sur la Russie, c'est notre frontière terrestre. Ça veut dire que là, tout d'un coup, on parle entre voisins. Là, tout d'un coup, quand on parle en couple de la soie, elles sont à deux sens. C'est-à-dire, là, on réfléchit, on est en train de faire. La vraie question de la stratégie européenne par rapport à l'Asie, elle doit effectivement être cette stratégie de confrontation. Je veux dire, c'est-à-dire, maintenant, sur surpuissant. C'est pas la question de dire, c'est dommage, c'est pas dommage, c'est comme ça. Et c'est peut-être au parti mal qu'il y ait la puissance partout. Comment on gère ça? Comment on gère des gens qui ne pensent pas comme nous? On n'a pas la même logique, on n'a pas le même droit que nous. Il ne faut pas dire, vous savez, que s'ils n'ont pas le même droit, ce n'est pas du droit. C'est un autre droit. Mais ils vous veulent, je l'appelle, non, mais d'accord, c'est pas le même, et je vous dis, je ne l'applique pas pour moi-même. Et c'est un autre droit. Et donc, la confrontation, c'est de dire, on est en rapport de force. Comment on va faire pour que nos idées, les éléments que nous portons, qui sont à l'exister, et que pour l'instant, ne soient pas changés de. Alors, pour qu'on parle des autres droits, de faire des droits des étudiants qui en Chine, par rapport à ça, donc, on a fait
Donc, il va y avoir un petit peu de temps. Quand on se dit que la Chine est intérieure à l'Europe.
qui a un point qui est très important sur ce que tu me dis, et qui a maintenant trop en fait s'inscrire un peu partout. C'est un peu la cinquième fille, on a pas une passion qui est la meilleure, que moi, un peu plus grand, de moins grand, il faut avoir un peu la tente de réciprocité, c'est-à-dire que c'est quand on est dans les autorités actives, on a fait des choses en Europe, par exemple, on a fait des choses, etc., un peu partout. Merci beaucoup de votre attention.